Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. 4 ans après la chute de Ben Ali, peut-être une nouvelle page qui s'ouvre pour la Tunisie. Plus de 5 millions d'électeurs sont appelés ce dimanche aux urnes pour des élections législatives. Plus de, écoutez bien ce chiffre, plus de 15 000 candidats sont en liste. En tout, 1327 listes pour 217 sièges au Parlement, c'est dire l'émiettement du champ politique tunisien. Alors, deux partis semblent aujourd'hui tirer leur épingle du jeu. Il s'agit de Ennahda et Nida Tounes. Qui pour gouverner la Tunisie de demain? Quels sont les défis qui attendent le pays? Eh bien, on en parle ce soir avec nos invités, avec vous, Ahmed Barghaoui. Bonsoir. Vous êtes directeur du Centre d'études et de recherche stratégique du monde arabe et vous soutenez ouvertement le parti islamiste Ennahda. Atem Ben Salem, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien ministre de l'éducation, c'était entre 2008 et 2011, sous Ben Ali donc, et vous êtes par ailleurs professeur de droit à l'université de Tunis 2. Hassine Abidi, bonsoir, merci d'être avec nous, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Et puis Kamel Gendoubi, bonsoir monsieur, vous êtes ancien président de l'instance supérieure indépendante pour les élections. C'est vous qui avez été le garant des premières élections libres tunisiennes en octobre 2011 et vous étiez un opposant sous le régime de Ben Ali. Avant de commencer ce débat, Marine Cazalis et Armid Tilly sont allés à la rencontre des électeurs à Tunis, mais également à Sidi Bouzid. Sidi Bouzid, le berceau de la Révolution. Reportage. Sidi Bouzid, berceau de la Révolution, c'est une des étapes qu'ont choisi les membres du projet Irtiyar Tunis pour présenter leur outil. Le questionnaire a pour ambition d'aider les électeurs à savoir quel parti partage leurs idées. Surtout pour les jeunes, c'est un outil intéressant. S'ils répondent à 30 questions, s'ils savent qui choisir, si la scène politique est plus claire, si les programmes des partis sont plus clairs, ils ont plus de visibilité et donc ils pourront peut-être mieux choisir et participer. Ça pourra les encourager à participer. Mais pour cet enseignant, l'efficacité du projet est limitée car les Tunisiens ne croient plus à la politique. Ils refusent la forme même des élections et leur contenu. Alors qu'ils ne sont même pas prêts à t'écouter, tu veux qu'ils aillent au café internet 5 minutes et qu'ils payent. Le peuple a rejeté l'ancien régime, etc., etc. Mais il ne sent pas qu'il est capable, en tant que citoyen, de changer la scène politique. L'association ATID, elle, essaie d'encourager les habitants à voter. Les citoyens ont des réticences. Ils ont vu après la révolution que rien n'a changé à Sidi Bouzid. Et même si la situation a quelque peu évolué, cela reste anecdotique. Ils ont perdu confiance dans la politique. Ce manque de confiance et un certain désintérêt pour cette élection se retrouvent aussi dans la capitale. Les hommes politiques sont la raison principale pour laquelle les gens ne s'intéressent pas à l'élection. Je ne vote pas parce qu'il n'y a personne. Pour qui je voterai? Qui va remettre le pays debout comme il était avant? Le peuple tunisien doit aller voter pour écarter ceux qui veulent prendre le pays avec l'argent. Face à cette crise de confiance, les efforts de la société civile sont essentiels pour sensibiliser les électeurs. Ahmed Barghaoui, vous qui avez été aux affaires entre 2011 et 2014, comment vous expliquez aujourd'hui cette désillusion des Tunisiens? Vous qui étiez aux affaires. Le parti, vous soutenez, pardonnez-moi, je vais être plus précise. Ça, c'est comme soutenez... si je suis un acteur. Non, alors je vais être plus précise. Je ne suis pas un acteur. Je ne l'ai pas été. Je ne l'ai pas été, alors je vais être plus précise. Voilà. Vous qui soutenez le parti islamiste Ennahda, qui a été aux affaires entre 2011 et 2014, comment vous expliquez aujourd'hui cette désillusion des Tunisiens? Tout d'abord, pourquoi vous l'avez exprimé vous-même en tant que journaliste, que je soutiens le parti Ennahda. Moi, j'ai exprimé un accord sur les orientations de ce parti nouveau, de l'après-révolution. Et ça m'a permis aussi d'avoir un regard un peu plus élargi, étant donné que c'est une nouvelle ère aussi qui s'ouvre en Tunisie. C'est les libertés et c'est les institutions démocratiques. Et à mon sens, les 3 ans qui sont passés ont permis quand même aux citoyens tunisiens d'observer tout d'abord dans un premier temps ce qui va se passer par la suite et après de voir les concrétisations, ce que j'appelle de la Troïka. Il n'y avait pas que Ennahda, il y avait quand même le CPR et Takatou qui sont deux partis laïques et que M. Kamel Gendoubi peut témoigner.
Et donc, il y avait un seul parti de tendance islamiste, de tendance de la laïcité, voilà. Ben oui, quand même. Les deux partis sont deux partis laïques, quand même. Et moi, je considère ça comme une réussite exceptionnelle dans le monde contemporain d'aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est la première fois qu'on a constaté une cohabitation qui réussisse entre un islamiste et deux partis laïques. C'est déjà une avancée extraordinaire. Vous faites le bilan de ce que vous estimez être des succès. Or, aujourd'hui, moi, j'entends les Tunisiens de la rue dans ce reportage ou dans d'autres. Vous avez, quand je dis vous, c'est-à-dire cette tendance que vous soutenez, que ce soit Ennahda, en effet, le CPR, État Catol, vous avez été au pouvoir et aujourd'hui, ces Tunisiens ne veulent plus aller voter parce qu'ils ne croient plus en leur parti politique. Au contraire, les Tunisiens veulent... Non, les Tunisiens vont voter. Et vous l'avez dit vous-même, 5 millions qui vont voter. Donc, c'est j'ai dit que 5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Après, on verra combien iront aux urnes. Ils vont voter les Tunisiens parce qu'ils savent bien que ces élections représentent quand même l'avenir du pays. Atem Ben Salem, vous, comment vous expliquez cette désillusion? Tout d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec Ahmed Barghaoui quand il dit finalement il n'y a pas tant de désillusion que ça? Et vous pensez-vous que les Tunisiens vont aller voter dimanche massivement? Moi, j'estime qu'il y aura énormément de Tunisiens qui n'iront pas voter, malheureusement. Et pourtant, cette fois-ci, c'est un rendez-vous d'une extrême importance et pour le présent et pour l'avenir de la Tunisie. Mais c'est vrai qu'il y a une démotivation, c'est vrai qu'il y a une désillusion, surtout chez les jeunes, parce que la politique déçoit. On avait tout simplement descendu l'ancien régime, pour les raisons que vous connaissez. Ceux qui arrivent n'ont pas fait mieux. Et donc les jeunes qui sont là, ceux qui ont voulu faire de la politique, refusent maintenant d'entrer dans ce jeu, entre guillemets, sournois, qui fera que demain, on aura les mêmes réflexes et les mêmes conséquences. Donc il y a, c'est vrai, une désillusion, mais il ne faudra pas croire que dimanche, peut-être, les Tunisiens sortiront pour voter, peut-être pas les 5 millions, mais n'oubliez pas qu'en 2011, il y a eu 48,9% d'abstentionnistes. L'abstention sera plus importante cette fois-ci, mais on ne pourra pas parler justement d'un boycott. Ce ne sera pas un boycott, mais ce sera un désintérêt pour les élections. Il y a des partis d'ailleurs qui ont appelé au boycott. Kamel Djendoubi, le problème aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas l'émiettement justement du champ politique tunisien? Parce que je rappelle quand même à nos téléspectateurs, c'est 15 000 candidats. Est-ce que les Tunisiens s'y retrouvent? Est-ce que ce n'est pas ça aussi le problème de ces élections, hein? C'est aussi ça, mais pas uniquement cela, parce que le code électoral n'était pas adapté à ces élections. Il était, jusqu'à un certain point, aux élections récentes, c'est-à-dire 2011, car à l'époque, l'objectif étant à la fois d'éviter qu'un parti domine la scène politique, devient majoritaire, ce que nous avons vécu terriblement et péniblement à l'époque de Ben Ali, et ensuite à permettre, l'objectif était de permettre au maximum des familles philosophiques et politiques de la Tunisie de participer à la rédaction de la Constitution, car c'était une Assemblée nationale constituante. Voilà les objectifs. D'autres objectifs qui visaient à impliquer davantage, par une espèce de discrimination positive, les régions de l'intérieur. Donc c'était un mode électoral, un scrutin qui était adapté aux objectifs 2011. Il ne l'est pas, mais pourtant, ils l'ont choisi. Pourquoi? Et précisément pour laisser cet état d'émiettement. Précisément parce qu'avec 30% de voix et 40% de sièges, un parti peut gouverner la Tunisie et accaparer les principaux piliers du pouvoir. Et cette situation-là aussi correspond, en fait, à une stratégie, à mon avis, qui vise en réalité à camoufler un échec lamentable de la Troïka pendant la période de leur exercice. Car la désillusion vient de cela. Les Tunisiens ont espéré de la révolution et c'était un espoir énorme. Ils ont attendu les élections de la Constituante et ils ont pensé et cru en cette Constituante, ces élections-là. Et normalement, la Constitution aurait dû être rédigée un an après 2011. Ils ont attendu jusqu'à 2014 pour voir un échec lamentable d'un projet qui ne correspond pas ni aux motivations tunisiennes, ni aux intérêts tunisiens. Et ce projet, c'est le projet précisément pas de la Troïka. Désolé, CPR est à quatre sonnants que des petits justificatifs du projet de Nahda, et ce projet de Nahda,
c'est-à-dire l'islam politique, est un échec lamentable. Dans un contexte régional dont on connaît des conséquences depuis l'Égypte, évidemment, cette situation-là a permis aujourd'hui au parti de Nahda d'imposer une loi électorale qui est mauvaise, qui ne correspond pas aux élections d'une importance capitale pour l'avenir du pays, à savoir doter le pays d'une institution stable. Et donc, on va encore vivre pendant assez longtemps, malheureusement, une instabilité politique dans laquelle le Nahda pense tirer. Parce que c'est un scrutin proportionnel. L'efficacité avec les plus forestes. Voilà. On le rappelle justement à Sina Bidi pour nos téléspectateurs, c'est un scrutin à la proportionnelle. On rappelle également l'enjeu de la participation. C'est important que les Tunisiens participent pour qu'il y ait peut-être aussi une légitimité pour ceux qui seront demain au pouvoir. Bah, du point de vue régional, la Tunisie, c'est celle qui s'en sort le mieux, en tout cas, en essayant d'intégrer la donne de l'islam politique dans le jeu et dans la participation politique de tout le monde. Donc, à mon avis, il est parfois injuste de qualifier l'expérience tunisienne ou l'expérience même de l'engagement de l'islam politique en tant qu'échec total, parce qu'on est encore au début de la transition. Et toute transition démocratique, transition politique, elle est synonyme d'incertitude. Vous savez, la démocratie, ce n'est pas un système politique, c'est un mode de gouvernement. Il est qualifié d'incertitude. Et tout le monde a la nostalgie de revoir un régime autoritaire. Le mot d'ordre a été donné dans ce reportage. Il y a une dame qui a dit la confiance. Il n'y a plus de confiance. Quand on n'a plus de confiance, et cette troïka, elle était perçue par les Tunisiens comme un arrangement entre amis. Et pas comme plutôt espèce de partage de pouvoir. On n'a pas beaucoup de richesses, on partage de pouvoir. Et ça passe mal auprès des Tunisiens pour dire finalement, ils se ressemblent tous, ces partis politiques. La preuve, ça a été dit que par exemple, Ettekatol et Nidatouz d'ailleurs, un des résultats de cette bipolarisation, c'est la création d'un nouveau parti politique. Je dirais que non, la Tunisie... Nidatounes, c'est un nouveau... La Tunisie ne stagne pas à l'avance. Parce qu'il y a un nouveau venu, il y a un trouble fait qui l'appelle de Tunis, qui n'était pas présent il n'y a pas si longtemps. Alors Nida Tounes, on le dit quand même à nos téléspectateurs, parce que tout le monde ne suit pas l'actualité politique tunisienne de près. Nida Tounes, c'est un parti, on trouve en fait plein de gens, c'est un parti laïque, on trouve donc des anciens qui ont participé au régime de Ben Ali, on trouve des syndicalistes, on trouve des activistes, des militants de gauche. C'est un parti un peu fourre-tout, enfin on trouve plusieurs hétérogènes, hétéroclites. Oui. Oui, alors il a bénéficié de quelque chose de très important qui n'est pas passé en Tunisie, en Libye et en Égypte. C'est donc il n'y a pas d'exclusion politique pour ceux qui ont travaillé pour l'ancien régime. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Comme Atem Ben Salem. Par exemple, mais ça, c'est... je ne fais pas partie de Nida Tounes, je vous rassure. Oui, voilà, mais aujourd'hui, vous parlez alors que vous avez participé à ce régime-là. Heureusement, vous allez en Tunisie. Oui, mais dans tous les pays. C'est le principe même de la démocratie que de pouvoir participer. Alors justement, Atem Ben Salem, tout à l'heure, vous disiez, ils ont échoué là où nous, on a aussi échoué. Mais ce qu'il faut peut-être laisser à cette troïka, c'est peut-être que ce pays est en train, c'est ce que disait Hassani Abidi, de s'ancrer dans la démocratie, ce qui n'était pas le cas du temps de Ben Ali. Je crois qu'il est incontestable aujourd'hui de reconnaître quand même qu'il y a une exception tunisienne. Voilà. Nous vivons aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, un régime où on est libre de s'exprimer, où il y a une vraie démocratie qui est en train de naître. Elle a ses avantages et ses inconvénients. Ce qui n'était pas le cas du temps de Ben Ali. Ce qui n'était pas le cas, évidemment, de l'ancien régime. C'est une évidence, je n'ai pas à le dire. Hein. C'était un autre régime, c'était d'autres objectifs et c'était d'autres hommes. Aujourd'hui que nous vivons cette expérience doit réussir. Mais il faut le reconnaître, et là je suis d'accord avec mon voisin de table, il faut le reconnaître, Ennahda, comme la Troïka, ne font pas ce qu'il faut pour faciliter les choses et pour donner la chance à tous de participer à la réussite de cette démocratie. Donc le problème qui est là, c'est d'abord une constitution qui a plein de problèmes, parce que c'est une constitution qui fait élire un président au suffrage universel et qui ne lui donne pas de pouvoir, une loi électorale permissive qui donne la possibilité à plus de 70 personnes de se présenter à la magistrature suprême, et une loi qui permet à l'argent sale de faire absolument ce qu'il veut dans cette campagne électorale. Ça, il faut le dire. Oui, mais vous attendez à une démocratie parfaite, non, à la suédoise ou à la Suisse, au bout de 4 ans. Je n'ai jamais dit ça. Une chose que le parti Ennahda a sa décharge. Donc, vous savez, on est passé de Tunisie de Ben Ali, on est passé de la négation à la négociation avec ce parti. Et cette dynamique de négociation, bien sûr, en empruntant le chemin de la dynamique électorale, est très positive. Oui, la constitution n'est pas parfaite, mais à l'issue, mais en bon voie. Je suis désolé, mais le résultat n'est pas là. En citant sur certains articles de la constitution, en poussant le Premier ministre à partir, vous allez gagner plutôt, à mon avis, un élément important de la Tunisie,
Mais par contre, si on continue dans cet échec et dans cette direction de dire que non, un Arda s'accapare du pouvoir, personne il veut s'accaparer du désolé, pouvoir. Mais c'est personne ça, ne dit ça. C'est ce qu'il a dit, monsieur Kamel Jandoub. Je ne dis pas qu'un parti accapare le pouvoir. J'aimerais bien quand même rebondir sur ce qu'il a dit, mais je dis qu'il y a de mauvais réflexes qui font qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de faire... Sur quel plan ? Sur quel plan ? Parce qu'il faut dissocier. Je prends deux exemples. Monsieur Hatem. Je prends deux petits exemples dans la Constitution. Allez-y. Deux petits exemples. Allez-y. Je l'ai dit déjà, un président sans pouvoir est pourtant élu au suffrage universel. Deuxième exemple, l'article 75 de la Constitution tunisienne, dont personne ne parle, et qui dit, en cas de décès de l'un des candidats à la présidentielle, au premier ou au second tour, tout le processus est remis en cause. Non, pas du tout. L'article 75. Relisez-le. Alors, un mot, je ne voudrais pas qu'on rentre non plus trop dans les articles de la Constitution, parce que sinon, on va s'égarer. Non, j'aimerais bien quand même rebondir à ce qu'il a dit, monsieur. S'il vous plaît, j'aimerais bien rebondir. Un mot, très rapidement, parce que je ne veux pas qu'on rentre dans les détails de la Constitution. Rapidement, sur ce qu'il a dit, monsieur Kamel Jandoub, que j'ai beaucoup d'estime pour lui, parce qu'il a fait un grand travail quand même en 2011 pour les élections. Et un des grands acteurs quand même de la politique tunisienne de l'après-révolution, on ne peut pas quand même nier ça, mais j'aimerais bien lui rappeler. Vous, ils sont vos amis quand même, les acteurs de Takatoli CPR, ils sont vos anciens amis quand même. Vous êtes un signataire de ce qu'on appelle l'hémicycle de 18 octobre. Vous étiez là. Donc, je ne vois pas où est-ce qu'il est maintenant le problème à ce que Nahda s'approche de vous et d'autres acteurs de la pré-révolution pour maintenant rentrer dans cette nouvelle ère de la Tunisie démocratique. C'est ce qu'il a souligné M. Hatem Ben Selm. Il a dit on ne peut pas, quand même, il ne faut pas renier qu'il y a un espace maintenant de liberté. On est en train quand même de bâtir une... On n'a pas dit qu'on a terminé, qu'on a fini ce qu'on appelle maintenant la démocratie. La France, elle a pris plus qu'un siècle pour bâtir ce qu'on est actuellement après la Révolution française. Il ne faut pas quand même... il faut se rappeler de ce que font les autres révolutions. Mais la Tunisie, quand même, c'est une exception. Moi, je dis la Tunisie, c'est une exception. Elle a su pendant 3 ans ou 4 ans, maintenant quand même, faire des avancées considérables. Et Nahda, ce qu'on a reproché le plus souvent dans la culture occidentale, que les mouvements de tendance islamique sont des mouvements qui vont opprimer le peuple. Et on oublie qu'on a une rue tunisienne. C'est-à-dire, il y a cette histoire de bipolarisation entre, par exemple, entre les islamistes et les autres. Il existe une rue. Il y a quelque chose de très important et un contre-pouvoir très important. On fait la pause. Kamel Jandoui, je promets. Je répondais tout à l'heure à votre question pourquoi il y a des illusions. Et je dis la désillusion est due à un espoir trahi par qui ? Par la Troïka et par Nahda. Il n'y a pas d'autre raison. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Vous me dites qu'il y a une exception tunisienne. Oui, il y a une exception tunisienne. Mais grâce à qui ? Vous pensez aussi grâce au parti, grâce à la société civile tunisienne. Il y a un an seulement. Rappelez-vous le mois d'août, en plein mois de Ramadan. Sur les femmes. Les manifestations des 6 août, du 13 août, du 23 août. Rappelez-vous tout le travail formidable qui a été fait par des femmes et des hommes, pour pouvoir pousser et obliger la Troïka et Nahda de céder sur tous les points qui concernent les questions fondamentales de la démocratie. Et on se rappelle, non, la question sur les femmes. Donc, sur les femmes, la femme doit être le complémentaire de l'homme. Ça avait fait, en effet, débat. Cette exception tunisienne... Kamel Jandoubi, on fait une petite pause, le temps du rappel des titres. Elle est d'abord l'œuvre de la société civile tunisienne. Et ce n'est pas l'œuvre des partis politiques, et notamment Nahda. On parlera du rôle de la société civile, mais surtout des défis qui attendent le pays, le défi sécuritaire, défi économique. À tout de suite.